Fresh Kid C, Fresh Kid C, yes sir. Fresh Kid P, Fresh Kid T. Oh yeah, we back. Oh, and Zaphone, by the way. Yeah, Jones. Eh bien c'est tout le monde, c'est Spirit9, j'espère que vous aimez bien, en tout cas ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo sur YouTube. J'espère que ma chaîne vous plaira, j'espère que la série que je vais vous présenter aujourd'hui vous plaira. C'est une série sur FIFA Ultimate Team, elle s'appelle Qui pourra nous arrêter. On part directement pour vous expliquer un petit peu le but de cette série. Donc le but de cette série c'est extra simple, vous allez voir. On va tout d'abord se construire une équipe sur FIFA Ultimate Team, jusque là rien de plus banal. Ensuite, je vais jouer contre les forumers de jeuxvideo.com qui auront postulé pour jouer contre moi. Je vais essayer d'enchaîner le plus de matchs possible sans perdre, donc ça risque d'être très compliqué. Mais bon, une fois que j'aurai perdu, j'aurai plus le droit de jouer avec cette équipe. Je serai obligé de me recréer une nouvelle équipe. Et pour pimenter un petit peu le jeu, on va parier des crédits, je vous explique ça directement. Et oui, en effet, on va parier des crédits. Donc comment ça marche? Ça va être super simple. Le premier match, on va parier 5000 crédits. Jusque là, c'est pas trop compliqué. Ensuite, le deuxième match, on va prendre la mise de départ et on va rajouter 5000 crédits à celle-ci. Ça va faire 5000 plus 5000, ça va faire 10000. Et ainsi de suite. Pour le troisième match, on va prendre la mise de départ qui est de 10000 crédits. On va lui rajouter 5000, ça va faire 15000 crédits. Et ainsi de suite, on continue jusqu'à la fin, jusqu'à la fin des matchs avec mon équipe. Donc voilà, vous voyez c'est super simple, si vous comprenez pas n'hésitez pas à mettre un commentaire, je pourrais vous expliquer plus précisément. Donc pour finir la série, il va falloir que j'enchaîne 17 victoires, pourquoi 17? Je sais pas, je le sentais bien, 17 victoires d'affilée sans perdre avec l'équipe. Si j'y arrive, ça sera la fin des matchs avec l'équipe, j'aurai l'appellation de suprême d'équipe inarrêtable, ça rend super bien les gars. Et bon, faut s'arracher pour faire les 17 victoires. Et ça sera la fin de la série, on lancera une autre série sur la chaîne, on verra si on y arrive déjà, parce que ça risque d'être très 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 compliqué. Donc voilà, on passe directement aux explications comment jouer contre moi. Vous voulez participer à la série et jouer contre moi, les gars, c'est super simple. Vous avez juste à vous créer un compte sur jeuxvideo.com si ce n'est pas déjà fait. Vous laissez un petit message en dessous du forum, un petit post avec votre gamertag, votre motivation si vous voulez. Tout ce que vous avez, votre Skype, votre Facebook, votre numéro de téléphone, tout ce que vous voulez. Histoire qu'on puisse se contacter, puis on fait ce match, puis voilà, c'est super simple. N'hésitez pas, hein, franchement, ça dure quoi? Ça dure 20 minutes. Le match, on le fait, c'est fini. Si vous voulez laisser un petit message à la fin du match, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Par contre, le match, je le commente en différé. Et donc, voilà, on se retrouve pour l'élément principal de cette vidéo, la présentation de l'équipe. Donc voilà, on se retrouve pour le plus gros de la présentation. Donc l'équipe, une très très belle équipe sur le papier, hein, franchement, c'est moi qui l'ai faite tout seul, et ouais c'est moi. Non, je l'ai pas trouvé sur jeuxvideo.com ou sur Footed, je me la suis faite moi-même, et franchement j'adore cette équipe, c'est vraiment une super équipe, super super forte. On part directement sur l'équipe, Marchetti, vous connaissez ce gardien, hein, vraiment très très fort en Serie A, il est beaucoup utilisé sur Foot parce qu'il est super bon, franchement il est super bon, même si un Buffon, hein, Buffon c'est beaucoup mieux, mais Marchetti pour 1600 ça fait vraiment l'affaire. Là, mes défenseurs, c'est vraiment du super lourd. A droite, Danilo. Regardez-moi ses stats. Vous le connaissez peut-être pas, étant donné qu'il joue en D1 portugaise et qu'il y a quelques joueurs meilleurs défenseurs droits brésiliens. Et franchement, il est juste énorme. Des stats de folie. Regardez-moi ça. 78 en défense, 81 dribble, 86 en vitesse, 73 en tir, 80 en passe, 21 000 crédits. Vous pouvez prendre la version normale qui est aussi très très forte. Franchement, que demande le peuple, hein. Énorme. Ma charnière défensive, une charnière défensive un peu plus connue, Mangala, un joueur très très utilisé sur FUT. Je me suis fait un petit plaisir, j'ai pris mon team of the saison. Et le normal vaut le coup, hein, franchement, le team of the saison, c'est vraiment le pied, c'est du pain béni, joueur. Énorme, si vous avez les moyens, prenez-le, il est vraiment énorme. Chiellini, regardez ses stats, que demande le peuple. Je l'ai payé 9800 crédits, c'est donné pour un tel joueur, 80 en vitesse, 86 en défense, 84 en tête, les stats, vous les voyez. Vous le connaissez sûrement, hein. Assez médiatisé, avec une plutôt grosse visibilité médiatique, et qui est vraiment super fort, très très propre. C'est vrai qu'il fait peu de fautes, vraiment peu de fautes, il marque quelques buts sur corner aussi. Gaël Clichy, joueur très très utilisé dans les parties de Premier League, je vais pas trop parler dessus étant donné qu'il est beaucoup utilisé, notamment dans les équipes de France ou Barclays comme j'ai dit, mais il a vraiment des stats de foot très très rapides, il déborde beaucoup, il est vraiment super bon. Mon trio de milieu sans trop
devant la défense, en sentinelle, Paul Pogba. Pogba qui est vraiment super fort, une très très grosse frappe. C'est vrai qu'en ce moment il est un peu moins fort, il a eu un gros coup de... Comment dire? Il a été très très en forme pendant un moment, là il baisse un peu. Et franchement Pogba, vraiment super super bon. Nasri, je l'aime pas trop ce joueur en vrai, j'aime pas trop son comportement. Mais sur FIFA, ça reste quand même un super joueur. Très très agile, une très belle frappe, il délivre des ballons sublimes. Franchement, il est super super fort, c'est un des meilleurs milieux offensifs du jeu je pense. Oh, Moutinho qui m'a un petit peu déçu, c'est vrai. Par rapport à Pogba et à Nasri, Moutinho m'a un peu déçu. Mais ça fait quand même le taf, hein, de très belles stats. Notamment en passe et en dribble. Dommage qu'il n'ait pas 4 étoiles, il a seulement 3 étoiles. Mais franchement, Moutinho, ça fait quand même le taf. Hein. Et là, franchement, c'est mes coups de cœur. Mes coups de cœur sur FIFA. Je vais commencer par les deux attaquants. Martinez, je le connaissais depuis FIFA 12. C'est vrai que sur FIFA 13, il est un peu moins fort, mais il reste toujours aussi bon. Et Rodrigo. Rodrigo, les gars. Rodrigo, retenez bien ce nom. C'est un joueur qui a été présenté par Rony sur son blog. Et franchement, c'est mon joueur préféré sur FIFA. C'est vraiment mon joueur préféré. Il est énorme, c'est une machine ce gars, c'est une machine. À part son pied droit qui est un petit peu bof, franchement il est super bon. Et enfin, James Rodriguez, regardez-moi ses stats, 80 en vitesse, 86 en dribble, 82 en tir, 85 en passe, des stats qui ne dépassent, baissent pas en dessous de 80, sauf pour la défense et la tête, mais c'est pas le plus important. Il a 4 étoiles de gestes techniques, il a une très très grosse frappe, il est gaucher, vous savez que les gauchers ont une très très grosse frappe. Il a des coups francs de malade, franchement Rodriguez, c'est vrai qu'il vaut un peu cher mais franchement il vaut le coup, il vaut vraiment le coup. Donc voilà, cette équipe vous coûtera aux alentours de 200 000 crédits, je sais plus du tout, je vais vous mettre une petite annotation avec le prix. Et franchement c'est une équipe qui vend du rêve, une équipe qui vend vraiment du rêve. J'ai hâte de faire la série, je vais essayer de pas perdre tout de suite, on verra bien. De toute façon, même si on perd tout de suite, hein, rien de grave, on se refera une autre équipe. On est là pour s'amuser, on est là pour faire du fun. On est là aussi pour découvrir des joueurs. Et donc voilà, j'espère que la vidéo présentation vous aura plu. Je pense que je vais proposer cette vidéo à quelques chaînes communautaires, histoire de faire connaître mon concept. Et puis moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Salut tout le monde!